We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning from bonjour. Buenos Aires. Je vous souhaite le bonjour de Buenos Aires. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Je suis très heureuse de pouvoir inaugurer cette première session dans le cadre de l'IGF 2021 sur le bon, la brute et le truand sur Internet en temps de crise. Je m'appelle Olga Cavalli. Je suis connecté depuis l'Argentine et je vais co-modérer cette session avec ma collègue allemande. Je voudrais remercier les organisateurs de cette session intéressante et d'avoir organisé le sommet d'une manière générale. Je suis triste de ne pas pouvoir être avec vous sur place. C'était mon but, c'était bien mon intention au départ, mais finalement ça n'a pas été possible. Mais vous savez, lorsque je vois les collègues dans la salle de conférence, ça m'attriste un peu, enfin ça m'attriste. J'aurais aimé être des vôtres. Les conséquences de la pandémie de Covid-19, remarquées dans toutes les sphères ou presque de notre vie, ça aura été une crise de plus dans l'histoire de l'humanité. Cette session concernera divers aspects diverses conséquences pour les communautés locales dans diverses parties du monde, ainsi que les bonnes pratiques, les défis et les plans d'action mis en pratique sur des sujets décidés par la NRI. Cette session va illustrer les défis existants autant dans les pays développés que dans les pays en développement. À vous, Sandra. Merci beaucoup, Olga. Bonjour à tous. Bienvenue aux représentants du monde des processus, des procédés NRI. Je voudrais, parce que vous savez, je commençais par là, mais hélas, en Allemagne, dans mon pays, pour ce qui est du Covid-19, nous ne sommes pas les mieux lotis. La situation n'est pas idéale, c'est pourquoi j'ai préféré ne pas venir à Katowice, alors que ça n'est pas loin, mais je ne voulais pas risquer de contaminer des gens en Pologne. J'ai préféré rester ici. Cette session a été préparée, elle est préparée depuis longtemps déjà, je pense, on peut dire que ça a duré 3 ou 4 mois. Notre groupe NRI, les groupes NRI sont des groupes qui s'occupent des processus nationaux, internationaux et des groupes de jeunes. Nous avons rencontré Anya. Nous parlons de plusieurs groupes, de 135 groupes NRI. Ce sont des groupes qui s'occupent de sujets à caractère ascendant. Il y a également des gens qui sont nommés rapporteurs et qui préparent des rapports, comme leur nom l'indique, pour le sommet de l'IGF. Je pense que vers la fin de cette session, ces rapporteurs auront l'occasion de résumer les activités qui auront été les nôtres dans le cadre de notre groupe NRI. Olga, pourriez-vous nous dire quel sera le programme de la session? Merci. Merci Sandra. Il y a de nombreux participants en ligne, connectés en ligne. Nombreux sont ceux qui voudraient prendre la parole et participer activement à ces sessions. Je pense que cette session, le caractère de cette session sera ouvert, interactif. Il n'y a pas encore vraiment de plan prédéfini. J'aimerais cependant que chacun respecte le temps imparti de manière à ce que tout le monde puisse prendre la parole. Soyez concis, prenez la parole pour 2 minutes, pas plus, de manière à ce que tout le monde puisse parler. Vous pouvez également commenter ou poser des questions grâce à la messagerie. Pour ceux qui sont sur place, n'hésitez pas à lever la main physiquement. Alors, si on peut aussi lever la main sur Zoom.
Nous allons donc parler d'Internet, de ce qu'est la toile en temps de crise. Quelles leçons avons-nous tirées? Qu'avons-nous appris? Telles sont les questions. Voilà donc trois aspects. Les bons, c'est-à-dire les opportunités créées par le télétravail, par le commerce en ligne, par l'accès à l'éducation en ligne. Les mauvais aspects, comme la cybercriminalité, par exemple. Et les escroqueries, c'est-à-dire les violations des droits de l'homme, les discours de haine, les discours haineux, la désinformation, d'où notre titre, Le bon, la brute et le truand. Merci donc de parler, d'évoquer divers agissements sur Internet qui vous rappellent les personnages du fameux western, Le bon, la brute et le truand. Sandra, c'est à vous. Merci. Merci, Olga. Je propose de commencer par une question. Une question sur la politique. Je voudrais inviter tous les représentants des groupes NRI à prendre la parole. J'ai une liste de noms et je vais demander à Anya de bien vouloir vérifier la dite liste. Je vous demanderai de partager avec nous vos expériences concernant les bons, les mauvais et les mauvais aspects de la vie sur Internet. Et puis n'oubliez pas que ceux qui sont en ligne peuvent aussi poser des questions. N'hésitez pas à le faire via la messagerie. Vous pouvez aussi lever la main virtuellement sur Zoom. On dirait qu'Osvaldo demande la parole. Mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est... Vous avez cliqué par hasard, peut-être? Parce que c'est depuis le début, il y avait la main de cliquer. Osvaldo, vous vouliez prendre la parole? Non? Si? Allez-y. Osvaldo, je vous donne la parole dans ce cas. Pour ce qui est de la politique, des aspects politiques, en République dominicaine, je dois dire que nous jouissons d'une certaine expérience, une expérience conséquente. Internet est devenu une source de nouvelles occasions, de nouvelles possibilités qui ont favorisé l'apparition de nouveaux services, de nouvelles possibilités commerciales en ligne. Je vais vous donner un exemple. Les supermarchés, auparavant, étaient assez frileux pour ce qui était de créer des applications permettant aux clients de faire leurs courses en ligne. Et tous les supermarchés ne proposaient pas de livraison, par exemple, de livraison à domicile. Il faut dire ici que la pandémie a créé une nouvelle possibilité. Ce milieu, ce secteur économique a été dynamisé par la pandémie. Et par Internet déjà avant, d'un autre côté, pour ce qui est de l'éducation. Vous savez, je suis enseignant, je suis professeur d'université, et j'organise des cours sur la cybersécurité. Nous avons pu faire des cours en ligne, nous avons pu organiser des cours pour tous les étudiants. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Car tel n'est pas le cas, il a fallu parfois créer de nouvelles connexions pour le cas des étudiants qui étaient au campus, mais il y a aussi des étudiants qui étaient connectés depuis leurs appartements. Et pour les étudiants qui étaient en CTU, Internet était gratuit. Pour les étudiants qui étaient chez eux, parfois il a fallu leur organiser, leur installer des connexions pour pas qu'ils soient exclus. Nous autres représentants d'un groupe social qui se penche sur les questions liées à Internet et qui se spécialise sur tous les sujets liés au cyberespace, nous avons utilisé cette opportunité pour placer de plus en plus de contenu sur Internet et faciliter l'accès à ces contenus pour les étudiants. Donc moi, je vois quand même pas mal d'aspects positifs, de conséquences positives de la pandémie. Je pense que ça a été un pas en avant pour Internet. Et je voudrais aussi rappeler une chose, c'est que l'initiative de transformation numérique qui a été lancée
par le gouvernement, a elle aussi adopté une approche multilatérale. Nous avons donc réussi à créer un programme de développement numérique voyant l'implication de diverses parties prenantes. Et je pense que ça s'est traduit aussi par une véritable amélioration de la connectivité, car les choses étaient moins satisfaisantes de ce point de vue avant la pandémie. Merci beaucoup, Osvaldo. Je voudrais vous demander vraiment de respecter le temps imparti. J'avais espoir que l'on arriverait à faire marcher une horloge, sur Zoom, de manière à ce que vous sachiez combien de temps s'est écoulé. Maintenant, je vois un nom sur la liste, Laura Palacios. Je m'excuse si je prononce mal ton nom. S'il te plaît, présente-toi vite et fais ton intervention. Laura, est-ce que tu nous entends? Buenos días. Bonjour, je représente le Forum colombien de gestion d'Internet. Je représente aussi les étudiants des universités de Colombie, mais aussi de Cuba. Pendant la pandémie en Colombie, l'Internet avait une énorme influence sur la situation économique. Comme dit par Osvaldo il y a quelques instants, beaucoup de services, beaucoup de magasins ont dû fermer leurs portes et transférer leur activité sur Internet. Au cours de l'année précédente, ce e-commerce a grandi de plus de 40%. En même temps, il faut dire que ce passage vers le réseau a une influence, un impact sur la société, positif et négatif. Je parle d'impact régional, mais aussi au niveau national. Il faut dire que dans certains points de Colombie, le grand trafic sur Internet a créé des problèmes de connectivité parce que le système était surchargé. Ceci, évidemment, peut mener à un manque de confiance chez les utilisateurs. Pendant la pandémie, nous avons trouvé quand même combien il était important d'assurer les droits de l'homme comme la liberté de l'expression, offline et online. C'est-à-dire que dans notre pays, notre gouvernement a introduit beaucoup de solutions de caractère différent et certaines de ces actions ont causé des inquiétudes dans certains secteurs de la société. Certains avaient peur que leurs droits seraient violés. Sur certaines plateformes, de manière beaucoup plus claire, on voyait certaines faiblesses du fonctionnement d'Internet. On peut dire que, en ce qui concerne la protection des données personnelles, toutes les plateformes et tous les programmes ne veillaient à un respect de ces droits. C'était visible dans le cas de certaines applications, de certains programmes, etc. Merci beaucoup. Because I would really like that we focus on the good for the moment, and you refer already to the. J'aimerais que nous concentrions pour l'instant sur les bons aspects d'Internet. Tu as commencé à parler des aspects négatifs. Alors laissons ça pour plus tard. Et maintenant, laissons la possibilité aux autres personnes de s'exprimer au sujet de changements positifs liés avec Internet pendant la crise. Mais tenez-vous-en à ces 2 minutes de temps imparti. Rodney va parler, et ensuite Emmanuel et Mohamed. Rodney, je te passe la parole 2 minutes, mais vraiment 2 minutes au sujet de bons aspects d'Internet pendant la crise. Rodney Taylor, bonjour. Bonjour, au nom de l'Union des télécoms des Caraïbes. Nous serons le hôte de la 17e édition du Forum de gestion d'Internet aux Caraïbes,
Et je voulais dire qu'Internet nous a certainement aidés à continuer notre travail à distance. C'était un impact positif. Ça a aussi donné la possibilité de faire de l'enseignement via Internet. Ça a aussi permis de maintenir les contacts sociaux. Donc je peux dire que Internet nous a permis de fonctionner au quotidien. En ce qui concerne l'administration publique, Internet nous a permis très certainement d'accélérer le processus de transformation numérique. Donc, grâce à la toile, beaucoup de services publics étaient accessibles aux citoyens. Et les communes, dans certains cas, basent sur le tourisme. Et grâce à elle, a pu continuer à fonctionner. Elle n'est pas devenue une grande victime du Covid-19. C'est ça les aspects positifs. Donc l'accélération de la transformation numérique et l'Internet. Internet s'est avéré être un milieu résilient. Merci beaucoup, Anders. Oui, merci. Je représente une des fondations pour la gestion de l'Internet d'Estonie. Si on sort les aspects positifs, j'aimerais donner des exemples concrets en ce qui concerne la gestion d'Internet en Estonie. Et c'est un exemple qui concerne l'organisation du sommet de gestion d'Internet en Estonie au printemps de l'année passée. C'était déjà la 7e fois qu'une telle rencontre a eu lieu. Et le fait qu'il ait pu se dérouler en ligne, c'était très certainement positif. Alors, nous avons utilisé le format hybride. Donc nous avons utilisé la plateforme Zoom, mais nous avons aussi engagé des professionnels. Nous avions un studio duquel nous diffusions une partie de nos interventions. Et j'aimerais présenter un enregistrement. Je vais essayer de vous le passer. I'm sorry, I'm really sorry. I had to. You are the best guys. Thank you very much. You spoiled the main discussion. Why I wanted to share it is because we all are humans. Pourquoi je voulais présenter cet enregistrement? Parce que nous sommes tous humains. Et parfois, des problèmes surviennent. Et nous devons toujours essayer de faire ce qui nous est dû et le faire au mieux. Et nous devons utiliser tout ça au maximum. Merci beaucoup, Andrés. Nous avons une liste de personnes qui auraient voulu s'exprimer, mais la liste s'est terminée. Mais par contre, on a encore Jennifer, Emmanuela, Mohamed, Aline, Nazar, et en dernier lieu, encore une personne qui voulait prendre la parole. Donc, c'est les personnes qui vont s'exprimer au sujet des aspects positifs d'Internet. Donc, après, nous allons avoir une tournée suivante où l'on va parler des impacts négatifs. Jennifer, je représente IGF de la région Asie-Pacifique et je suis ici en Pologne, à Katowice. Je parlerai très brièvement en ce qui concerne notre région. Comme tous dans le monde entier, nous avons dû affronter les conséquences de la pandémie. Par contre, le bon côté, la bonne dimension est que les questions de l'éducation ont été traitées de manière très attentive, très rapidement. On a mis en place des services d'éducation à distance.
On a aussi transmis des informations concernant la manière dont les jeunes, les enfants et les jeunes peuvent continuer leur formation. Et ce service est très important. Ces informations ont été fournies, ce qui est très important parce que maintenant nous avons affaire à un grand nombre, une grande quantité de désinformation. Il s'est avéré qu'on a mené des études, notamment au Népal, et on a remarqué les impacts positifs des programmes et des initiatives qui étaient mis en œuvre par le ministère de l'Éducation. Et ce type de programme concernait, entre autres, l'éducation, mais aussi l'extension de compétences numériques. Ce type de programme était aussi mis en œuvre en Singapour, en Australie et dans les pays en voie de développement dans la région de l'Asie-Pacifique. Et tous ces programmes montrent que beaucoup de choses ont été faites en ce qui concerne l'amélioration de l'accès à l'apprentissage à distance, aussi sous forme de PPP. En ce qui concerne l'Asie centrale, ce type de programme a été aussi mis en œuvre. Il s'agissait de faire en sorte à ce que les élèves qui vivent en région rurale et le plus loin du centre aient accès aux matériaux ou aux ressources qui étaient accessibles dans leur langue locale. Donc beaucoup de choses se sont passées en ce qui concerne le développement des capacités, de compétences. Merci beaucoup. Alors, de quoi la situation en Italie? Je suis membre du directoire du mouvement IGEV en Italie. En particulier, pendant la pandémie, nous avons eu affaire à quelques phénomènes positifs. Avant tout, j'aimerais me référer à l'accélération de la numérisation. Ce processus avait commencé plus tôt, pas pendant la pandémie, mais il a très certainement beaucoup accéléré en ce qui concerne l'acquisition de compétences numériques. Et nous voyons que ces bases de compétences sont présentes dans les PME, mais aussi entre les membres de la société civile. Nous voyons donc qu'il y a une grande implication aussi des chambres de commerce. Ces chambres de commerce ont essayé de s'impliquer dans le débat et communiquer avec les PME pour montrer quels sont les bénéfices que Internet peut leur apporter. Donc, en ce qui concerne la société civile, nous avons aussi remarqué que de plus en plus, pendant la pandémie, on a utilisé les mécanismes de confirmation numérique de l'identité. Et donc, il s'avère que nos habitants utilisent de plus en plus ces mécanismes de confirmation d'identité pour pouvoir bénéficier des services Internet. Pour mieux bénéficier des services. Et maintenant, pour les formations à distance, ces services qui étaient organisés par l'ISEF en Italie, nous avons formé 500 000 élèves et étudiants en matière de protection de données. De la mise à disposition de ces données de manière sûre. Merci beaucoup. Quelques mots de Mohamed. Appuyez sur l'icône de la voix si vous avez terminé votre énoncé. Bon, moi, je représente IGF et l'initiative INERI en Afrique du Nord. Et ici, j'aimerais dire que nous sommes très actifs et nous discutons de manière très active sur les questions concernant les politiques qui sont débattues ici aussi pendant le sommet IGF. Pendant la pandémie du coronavirus, notre région, comme d'autres, est passée en grande partie en formation à distance, dont de tels programmes ont été mis en œuvre. On a adopté des mécanismes et des fonds qui étaient censés limiter le,
l'impact négatif de la pandémie. Et là, le ministère de l'Académie de l'Éducation a créé des plateformes qui permettent aux enfants d'avoir accès à différentes ressources. La question suivante est que pendant la pandémie du COVID-19, la numérisation du secteur du commerce s'est accélérée. Donc les gens ont commencé de plus en plus à utiliser des possibilités telles que les achats en ligne, ce qui a permis aussi aux entrepreneurs présents sur le marché de se maintenir sur ce marché pendant la pandémie. On a utilisé à cet effet différentes plateformes de vente qui sont apparues dans notre région. Je pense que c'est ça l'impact le plus important. Nous pouvons donc dire que les habitants de notre région ont une confiance croissante. Merci. Nous avons un message sur le chat de la part de Tracy du Trinidad et Tobago et d'une autre personne qui voudrait aussi parler des aspects positifs. Et espérons que nous aurons assez de temps. Nena est dans la salle à Katowice. Je lui donne la parole. Oui, je m'appelle Nena. Et je vais vous faire des conclusions qui découlent des travaux du groupe NRI. Je suis membre du comité d'organisation du Forum des données de l'ONU. L'année passée, ce forum a eu lieu en ligne pour les raisons que vous savez, mais cette année, ça aura lieu en Suisse. Donc nous prévoyons organiser cette session de manière physique cette année. Et je voudrais suggérer dans ce contexte que dans le cadre de l'organisation de ce forum, que nous utilisions une formule que nous voyons ici pendant le sommet IGF. Je veux dire l'utilisation de ces hubs, de ces centres régionaux. Donc les travaux en ce qui concerne les données de l'ONU continuent. Nous avons eu déjà une vingtaine de rencontres de ce type. Nous avons une commission de programme, un conseil de programmation et je pense que nous allons dans la bonne direction et ce forum sera organisé probablement de manière physique. Bien, encore une fois, j'aimerais dire que malheureusement, nous ne pouvons plus accepter d'autres demandes de prise de parole dans cette première tournée. Maintenant, l'intervenante suivante sera Aileen qui a posé sa candidature plutôt. Bon, d'accord, merci beaucoup. Je m'appelle Aileen et je représente NRI d'Argentine. Donc nous sommes une organisation qui groupe les jeunes gens, pas seulement d'Argentine, mais aussi d'autres régions. Et je veux dire ici que pendant la pandémie du coronavirus, nous avons réussi à initier beaucoup d'actions, par exemple pour la question de nouvelles compétences, pour la construction des capacités, etc. Nous avons présenté les conclusions de nos travaux sur un forum plus large. Je pense que les travaux de notre forum sont très importants pour ouvrir les possibilités de coopération entre les gens jeunes, car une telle coopération est très importante. En ce qui concerne notre organisation, nous, en Argentine, nous avons organisé notre rencontre annuelle en forme de webinaire auquel beaucoup de jeunes gens ont participé, grâce à quoi Internet est devenu pour nous une plateforme inclusive d'échange d'informations sur des sujets qui sont intéressants pour les gens de jeune âge. Il faut mentionner que l'échange d'informations est très indispensable, pas seulement entre les jeunes, mais aussi entre les générations. Et ça, c'est encore un sujet dont nous sommes occupés pendant nos travaux. En ce qui concerne la pandémie, ce qu'elle nous a appris, c'est que avant tout, il ne faut pas hésiter. Il faut toujours utiliser toutes les possibilités de coopération dans l'esprit de solidarité, parce que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons atteindre plus.
Lausanne est la personne suivante qui attend la prise de parole. Merci beaucoup. Je m'appelle Nazar. Merci de m'avoir donné la parole. Je viens de Tanzanie et je représente le sommet IGF qui est organisé en Tanzanie. Et j'aimerais dire ce qui, d'après moi, constitue une conséquence ou des conséquences positives du développement et du progrès de la numérisation pendant la pandémie du coronavirus. Je pense que la pandémie a fait que dans notre écosystème local ont été créées de nombreuses innovations. Par exemple, les écoles supérieures locales ont commencé à élaborer de nouvelles plateformes qui ont rendu possible de meilleures possibilités d'apprentissage à distance. De plus, on a remarqué l'apparence d'une numérisation accrue pour les services publics. Ce processus a été accéléré de manière très sensible. Donc maintenant, nous pouvons contacter avec les admissions publiques via Internet. Ça concerne, par exemple, les résultats de tests pour le coronavirus. Donc, ces résultats nous sont envoyés par Internet. Nous ne devons pas revenir à l'endroit où nous avons été piqués pour obtenir les résultats sur papier. Question suivante, c'est qu'on a limité le budget public pour l'organisation de rencontres physiques et ces moyens ont été déplacés de sorte à rendre possible l'organisation de séminaires, ateliers ou autres sur Zoom. Donc, même si beaucoup de rencontres ont été annulées, l'argent qui était destiné à cela a été déplacé pour les rencontres virtuelles, mais aussi pour d'autres services comme les services d'éducation ou liés à la protection de la santé. Dans notre pays, pendant la pandémie, notre gouvernement a préparé aussi une stratégie de numérisation de tous les services publics qui doivent être réalisés sous forme numérique jusqu'à 2025. Merci beaucoup. Dites-nous d'où vous êtes. Bonjour, je m'appelle Plantina Mogoni et je représente le secrétariat du IGF sud-africain et j'aimerais vous faire part des conclusions concernant l'influence positive de la pandémie sur l'espace numérique. Ce que je peux dire, premièrement, c'est que, bien sûr, il faut rappeler que la numérisation des écoles est un processus accéléré, qui doit être accéléré, notamment pour ce qui est des zones rurales. Nous avons réussi à utiliser les nouvelles techniques pour permettre faire en sorte que les cours soient assurés en ligne. C'était très important pour les zones rurales et je voulais le souligner, que le processus a été accéléré. Merci. Merci beaucoup pour cet apport dans la discussion. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Il me semblait que quelqu'un avait demandé la parole, mais je crois que la personne en question a disparu de la queue. So, je m'appelle Abdeljalil Bachar Bong, je suis le secrétaire exécutif de IGF Tchad. Pour aller plus vite, nous avons des expériences positives, l'impact positif du COVID sur le développement des TIC au Tchad. Et il y a une forte augmentation aussi selon les derniers rapports de l'Agence nationale de régulation de communication électronique et des postes, l'ARCEP. Donc il y a une forte augmentation des nombres d'utilisateurs de l'Internet. Et nous avons constaté aussi une forte utilisation de bandes passantes. Et surtout, les jeunes commencent à faire le business avec les réseaux sociaux, surtout avec WhatsApp. Donc, nous avons constaté que beaucoup de gens mettent leurs produits. Donc, c'est un début de commencement pour les services e-commerce aussi. Et aussi, nous avons constaté une forte augmentation de l'utilisation de e-learning, tout ce qui est services en ligne. Et les écoles aussi ont commencé à s'adapter. Par exemple, si on prend les cas de lycée Liberté, donc les étudiants ont créé le groupe WhatsApp pour échanger entre eux, etc. Mais avant COVID, il n'y a pas cette innovation. Donc, en grosso modo, l'État aussi a pensé maintenant, avec COVID, de digitaliser
tous les services de paiement, des impôts, de création des entreprises. Je pense qu'avec COVID, il y a le côté positif aussi, et en tant que NRIS, donc nous sommes vraiment contents et nous allons continuer sur cette ligne. Merci beaucoup. Thank you very much, Abdel Jalil. Merci beaucoup. Et la dernière personne qui voudrait prendre la parole sur le sujet des effets positifs de la pandémie nous attend d'ores et déjà. Attends qu'on lui donne la parole, c'est Marcel. Oui, effectivement, je m'appelle Marcel, Marcel Krumenauer. Je voudrais uniquement ajouter une chose, à savoir que effectivement l'accélération de la numérisation est quelque chose d'important. Cela étant, je voudrais dire aussi que nous sommes en mesure de coopérer au niveau international en Europe. Nous sommes en mesure de lutter contre la pandémie. Nous avons une application qui nous permet de confirmer le fait d'avoir été vacciné. Le certificat, ce certificat de vaccination, il est respecté en Europe. Ça permet aux organes des différents pays de vérifier qu'on a bien été vacciné. Ça, c'est encore une étape qui nous permet de mieux lutter contre la pandémie. Et je pense que c'est quelque chose de positif. C'est pourquoi je voulais souligner ce fait. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Olga. Nous n'avons plus que peu de temps, hélas. Heureusement, les aspects positifs, c'est toujours quelque chose qu'il est bon de mentionner. J'espère et je pense qu'il y en a plus que de mauvais. Je propose tout de même d'en entendre encore deux. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu prendre la parole. Et c'était Sani, je crois. Oui, non, ce sera peut-être pour le prochain tour. Olga, je vous rends la parole. Bien, merci. Moi, je suis toujours optimiste pour ce qui est des nouvelles techniques. Je suis sûr qu'il y a plus d'aspects positifs découlant de l'application, de l'utilisation d'Internet en temps de crise. J'ai pris quelques notes et j'ai noté que parmi ces aspects positifs, il y avait les possibilités de e-commerce, la vérification des services, avec l'exemple italien. Il a également été question de l'accès aux résultats d'études concernant le coronavirus, les accès aux certificats de vaccination contre le Covid-19, la possibilité de travailler en ligne, l'accès à l'éducation, aux cours. Je pense que sans Internet, effectivement, les choses auraient été beaucoup plus compliquées. Difficile de s'imaginer notre quotidien sans Internet ces derniers temps. Et donc, on voit que Internet, en temps de crise, est particulièrement utile. Passons maintenant donc aux aspects négatifs, si vous le permettez. Nous avons parlé de trois aspects. On avait dit le bon, la brute et le truand. Hein. Donc maintenant, on va passer à la brute et au truand. Les discours de haine, les escroqueries. Je vois qu'il y a déjà du monde dans la queue. Sandro, dites-nous, êtes-vous prête? Oui, je le suis. Je ne vous vois pas, c'est pour ça que je pose la question. Je m'appelle Zanue et je représente le forum de l'IGF, République sud-africaine. Je sais que je devrais me concentrer normalement sur les aspects négatifs d'Internet, puisque c'est la question qui m'est posée. Cependant, je soulignerai qu'il y a tout de même de très bons exemples de développement qui ont été permis par Internet. Je voudrais vous parler maintenant de l'accélération du processus d'application, d'utilisation d'applications de suivi en Afrique, dans de nombreux pays. Ce qui nous manque, ce sont des données crédibles concernant la protection des données personnelles. Et ça, c'est un aspect négatif d'Internet, je trouve, qui a montré le bout de son nez lors de la pandémie de Covid-19. Il y a eu des cas de violation des droits de l'homme qui venaient du fait qu'en fait, les processus, les procédures, les outils de protection des données personnelles n'étaient pas assez utilisés. Merci. La personne suivante, s'il vous plaît.
Oui, bonjour. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je voudrais parler avant tout ici de trois aspects que nous avons remarqués lors de la pandémie. En 2021, il y a eu plus d'attaques de pirates informatiques à Panama qu'avant. On manque encore d'un véritable cadre légal qui nous permettrait de lutter contre ce phénomène à Panama. Il y a eu plus de cas de violences faites aux femmes sur Internet qu'auparavant. Hélas, aujourd'hui encore, les normes en matière de droits de l'homme ne sont pas respectées dans mon pays. Troisièmement, beaucoup de lycéens, beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants n'ont pas pu suivre leurs cours parce qu'ils n'avaient pas Internet à la maison ou alors leur connexion était trop faible ou pour des raisons liées à un manque de matériel aussi. Nombreux furent ceux qui ont dû tout bonnement arrêter l'école. Je voulais dire aussi qu'une loi est apparue dans notre pays sur le télétravail, loi qui n'a pas encore été véritablement adapté à la réalité en temps de pandémie. Je voulais aussi mentionner le fait que les femmes à Panama, en plus de travailler, de faire du télétravail, ont dû s'occuper souvent de leur maison et de leurs enfants. Oui, bonjour. Merci de me donner la parole à moi aussi. Moi, je représente une association qui s'appelle Internet Society. Je suis connecté depuis le Sri Lanka. Je voudrais vous parler des aspects négatifs d'Internet, puisque c'est la question qui m'a été posée. Nous remarquons, hélas, de nombreux cas de suicide parmi les jeunes. Il s'est avéré qu'il fallait parler des problèmes psychologiques. Notre organisme a pris des mesures pour apporter des conseils psychologiques. La pandémie de COVID-19 a aussi mis en exergue des problèmes de connectivité, notamment dans les zones rurales, dans les montagnes notamment. Il y a eu beaucoup d'étudiants ont eu des soucis de connexion. Certains devaient grimper sur un arbre pour avoir un véritable signal avec leur téléphone portable, ce qui est assez dangereux. Merci pour ces commentaires. Allez-y, je vous en prie, la personne suivante. M'entendez-vous? Je ne vous vois pas. C'est la plateforme Ogana. Oui, il y a de l'écho chez vous. On entend un écho très, très net et qui nous rend la communication impossible. Peut-être avez-vous un autre micro? Parce que je pensais qu'il y a peut-être un deuxième micro d'allumé, malheureusement. La qualité du son ne permet pas de traduire, malheureusement. Merci. Mohamed, nous allons passer à vous. Oui, je vais essayer de répondre à la question concernant les aspects négatifs d'Internet en temps de crise. Je parlerai principalement de la crise, de la situation en Afrique du Nord. Nous nous sommes rendus compte
des problèmes d'infrastructure, on manque d'accès à Internet. L'accès n'est pas satisfaisant. Notamment les groupes marginalisés ont eu des problèmes d'accès à Internet. C'était justement les groupes qui étaient en retard, qui étaient un peu laissés sur le côté, qui n'étaient pas montés autant dans le train du progrès que d'autres groupes. Donc finalement, ça nous renvoie au sujet des différences d'accès à Internet. La connectivité n'est pas assez inclusive, elle n'est pas la même pour tout le monde. Les enfants de réfugiés, par exemple, n'ont pas accès, ne peuvent pas suivre leurs cours. Par ailleurs, on parle de l'important nombre de personnes qui n'ont pas pu profiter des possibilités présentées par Internet. Ça a déjà été mis en exergue, plus encore par la pandémie de Covid-19. Ce qui manque aussi, ce sont des cadres juridiques, un cadre juridique clair qui pourrait accélérer le processus de connexion mondiale. Je voudrais aussi mentionner les aspects éducation, c'est-à-dire l'absence de les problèmes, le mal qu'ont eu certains à suivre leurs cours, mais aussi les problèmes de commerce en ligne. Là aussi, on a ce manque d'accès en tant qu'élève, en tant qu'étudiant et en tant que client, en tant que consommateur. Merci, Mohamed. Je vois aussi sur la liste Luciana Osvaldo, Jorge, Anen, Amira. J'espère que cette partie concernant les aspects négatifs d'Internet sera courte. Ce serait un bon sens. Lucien, vous m'entendez? Alors, Osvaldo, dans ce cas. Osvaldo, peut-être. Osvaldo, vous êtes là? Oui. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olga. Pour ce qui est de l'évolution du modèle de connectivité auquel nous avons eu affaire lors de la pandémie, je veux dire que les conséquences ont été très importantes pour les conséquences sur notre société, les effets. Lorsqu'on est au bureau, on a accès à Internet. Et vous rentrez chez vous, et là, ça n'est plus forcément le cas. Ça dépend. C'est pourquoi c'est les agences gouvernementales qui ont dû se défendre des attaques de pirates informatiques. Il fallait donc donner toutes leurs possibilités d'action aux agences gouvernementales. De nombreux usagers ont perdu crédit envers diverses applications numériques et envers Internet d'une manière générale. Je pense qu'il est important de donner la possibilité aux gens d'utiliser Internet, d'interagir avec autrui. Je voudrais aussi ici mentionner la question des attaques de pirates informatiques lors de la pandémie. De nombreuses applications malveillantes sont apparues. Beaucoup de virus ont été utilisés, beaucoup d'entités ont fait l'objet d'attaques. En dehors de cela, en outre, dans certains cas, ce qui s'est passé, c'est que certaines institutions publiques ont dû payer des sommes importantes, des rançons, pour retrouver l'accès à leur système. Je vais maintenant donner la parole à la personne suivante. Oui, merci. Bonjour à vous. Merci beaucoup, Olga. Je représente, pour ma part, le Forum de gestion Internet d'Espagne. Je voulais dire que nous, souvent, les Espagnols, nous targuons d'avoir une très bonne étendue Internet, meilleure qu'en Allemagne, etc. C'est vrai que les infrastructures Internet sont très bonnes en Espagne, mais il s'est passé une chose intéressante. Il y a beaucoup de villages en Espagne où la rapidité d'Internet est plus faible que dans les grandes villes espagnoles. Lors de la pandémie, il s'est avéré que dans ces villages où l'accès à Internet est plus limité, plus lent en tout cas, il avait été possible
d'accélérer la connexion, d'améliorer la connexion. Et dans ces villages où la connexion était rapide, les indices économiques étaient très hauts. Et on a bien vu que dans les villages où la connexion était moins bonne, les indices économiques étaient mauvais, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune évolution positive. L'hypothèse que je formule est donc la suivante. Une connexion rapide est absolument nécessaire dans les villages, dans les petites villes, dans les campagnes, dans les territoires, comme on dit maintenant en France. Ce n'est qu'alors qu'on aura la possibilité d'avoir une influence positive sur la transformation numérique. Ce qu'on a vu dans le cadre des téléphones portables, on le voit maintenant dans le cadre de la fibre optique. Il y a beaucoup de différences pour ce qui est des conséquences positives et pour ce qui est des différences entre les villes et les villages. Ça me semble très intéressant. Je pense que c'est une étude dont les conclusions sont très importantes. Merci beaucoup. Merci. Je vais donner la parole à Laura maintenant et ensuite à Lucien. Très bien. Laura ici. Je voulais juste répéter ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire que nous avons fait des analyses de techniques, des analyses technologiques. Les plateformes se sont avérées particulièrement importantes pour ce qui est de la conservation de liens sociaux, particulièrement importants dans un pays comme la Colombie. En Colombie, nous avons remarqué qu'Internet avait affecté fortement la mobilité sociale, en bien comme en mal, selon la connexion. Dans certains endroits de Colombie, il y a eu des pannes de serveurs à cause de la circulation, du transfert de données. Dans des situations comme ça, le problème, c'est qu'on a une perte de la confiance des usagers envers les plateformes. Les usagers commencent à nourrir certaines craintes par rapport au respect de leurs droits, et notamment de leur droit à la liberté d'expression. D'accord. Merci. Je vais maintenant passer à l'anglais. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. La crise sanitaire a été un révélateur. Internet est à la fois le mal, parfois, et le remède, souvent. C'est d'une certaine manière une question de remède, un pharmacon. On part d'un village global dont l'évolution est toujours en cours, avec aujourd'hui presque 5 milliards d'utilisateurs. Je le disais, la crise sanitaire a été un révélateur. Elle a permis de prendre conscience de nouvelles fragilités numériques, de l'importance de l'inclusion numérique, ainsi que de renforcer l'éducation pour permettre à toutes et à tous de saisir les opportunités qui sont offertes par le numérique, de combattre tant la désinformation que la haine sur Internet et d'autres maux de la société, dont d'une certaine manière l'Internet n'est qu'un reflet, de la société. On a également vu qu'il y avait une nécessité forte de transformation numérique de la société, et en particulier des TPE-PME, d'accélérer et de renforcer la confiance des utilisateurs d'Internet, car s'il est une crise, c'est avant tout une crise de confiance, et c'est un chemin qu'il faut parcourir ensemble. Merci. Merci beaucoup, Lucien. Yana, welcome. The floor is yours. L'intervenant suivant, Yana. Sommes-nous entendus? Oui, ici Jenna. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je représente le Forum des jeunes IGF de la région Asie-Pacifique. Cette année, en septembre, nous avons parlé de la protection des données personnelles et de l'équipe de développement durable du réseau. Et on a eu un atelier cette semaine, un atelier concernant un paradoxe qui accompagne l'utilisation des applications d'espionnage. Nous avons des craintes, évidemment,
qui concerne la surveillance sur Internet et le manque de protection suffisante ou satisfaisante des données personnelles. Toutes ces technologies qu'on peut appeler les technologies de surveillance sur Internet sont des technologies qui utilisent des plateformes, des réseaux sociaux, par exemple. Il semble aussi que les gouvernements nationaux utilisent de plus en plus volontiers ce type de logiciel. C'est pour ça que nous essayons maintenant de créer des lignes directrices qui pourraient concerner les plateformes comme Instagram ou Facebook. Pendant notre atelier, les participants ont dit notamment que Internet et les technologies numériques doivent devenir plus inclusives, surtout par un temps aussi critique que la pandémie COVID-19. C'est une période où nous sommes plus dépendants de l'accès à Internet, dépendants des technologies. C'est donc pourquoi c'est dans les mains des gouvernements nationaux que repose la création de politiques et inclusives. Dans une situation, on a besoin d'avoir des informations rapidement par exemple sur les nouveaux vaccins. C'est les questions dont nous avons parlé pendant cet atelier. Et chose que je voulais mentionner. Mais évidemment, il y a aussi d'autres problèmes qui sont communs aux pays de la région. Le problème de base, c'est le manque d'accès à Internet. Maintenant qu'il faut travailler à distance, avoir accès à l'éducation en ligne, la question d'accès à Internet est clé. Et c'est pour cela que je le mentionne, pour que n'oublions pas que l'exclusion numérique continue à être un problème réel. Merci. Merci, Jenna. Et nous avons maintenant Bram. Bram, si tu m'entends. Oui, je vous entends. Bonjour. J'ai préparé quatre remarques. Dernièrement, on a eu affaire à un nombre considérable de crimes financiers en ligne, mais aussi à de l'harcèlement sexuel dans le réseau. Nous avons été aussi peu témoins de situations où les communautés marginalisées sont encore plus exclues pour cause du manque d'accès à Internet. Et l'abordabilité financière de la présence en ligne est aussi un problème. Nous avons besoin d'améliorer les compétences numériques sur le continent africain. Je voulais aussi dire que la pandémie du COVID-19 a mis à nu le manque de préparation des gouvernements pour ce qui est de la fourniture des services de base aux citoyens. Merci beaucoup et grand merci d'avoir respecté le temps. À toi. Je pense que le défi clé auquel nous avons dû affronter en Afrique du Sud était que les jeunes personnes qui utilisent de plus en plus souvent les plateformes numériques doivent avoir une garantie de sécurité. Les jeunes utilisent les plateformes en ligne non seulement à des fins d'éducation, mais aussi à d'autres fins. Et de plus en plus souvent, nous voyons des cas de bullying, de harcèlement, des choses qui mènent souvent à des suicides. Les jeunes personnes, en particulier dans les communautés marginalisées, publient des photos inappropriées de leurs collègues des deux sexes. C'est lié à un manque de conscience du fait que le fait de publier une telle photo est une violation des droits de l'homme, de la personne. Et je pense que c'est du manque de connaissance chez les jeunes gens, chez les utilisateurs des plateformes Internet, quant au contenu que l'on peut publier. Merci, Plantina. C'est une remarque entre les bons et les mauvais côtés d'Internet. On va passer à la troisième partie, le côté laid d'Internet. Maintenant, Halimino. Donc, je vais passer en français. Bonsoir, bon après-midi à tous. Je suis Armine Rakoun-Djenbe, je suis la coordinatrice de IGF Madagascar.
Donc, pour parler de ce qui n'est pas vraiment bon dans l'Internet, comme mes prédécesseurs l'ont déjà dit, cette crise a mis en valeur l'importance de l'accès à Internet, mais surtout les inégalités, surtout pour les pays en voie de développement comme Madagascar, où le taux de numérisation est encore faible. Donc, en exemple, pendant les mois de confinement à Madagascar, toutes les écoles publiques ont dû fermer leurs portes et les étudiants n'ont pas pu travailler même au niveau de l'université, alors que pour les écoles privées, donc ceux qui avaient les moyens, ils ont pu quand même continuer de travailler pendant les mois de confinement via les plateformes en ligne et surtout parce qu'ils avaient l'accès à Internet et ils avaient l'accès aux ordinateurs. Et quand on parle du domaine du travail, il y a eu plusieurs entreprises qui sont passées en ligne grâce à Internet, mais il y a eu aussi des gens qui ont perdu leur travail parce qu'ils n'avaient pas accès à Internet, parce que l'entreprise n'avait pas les moyens de passer en ligne, mais surtout parce qu'ils n'avaient pas les compétences d'utiliser l'Internet comme il devrait l'être. Et enfin, on a remarqué, parce qu'il n'y a pas beaucoup de suivi à Madagascar sur ce qui se passe en ligne, on a remarqué que maintenant l'Internet est devenu, entre guillemets, un repère de scammers et a permis la croissance de secteur informel. Donc, l'Internet a en fait permis à beaucoup de gens de l'utiliser comme un moyen de voler. Merci. Merci à vous. Amir, you're next. Amir, tu es suivant. Ahmed. Ahmed, tu nous entends? Ok, once Amir finds his microphone, yeah, you're the last, and then Amir. Eh bien, dans ce cas, la personne suivante qui était dans le... Dans la, voilà, nous venons de voir Amir. Amir, toi d'abord. M'entendez-vous bien? On dirait que oui. Bonjour à tous, chers panélistes, chers intervenants, chère madame la modératrice, merci de me donner la parole. L'Internet, pendant la pandémie du Covid-19, je vais commencer par me présenter, je m'excuse parce que je ne l'ai pas dit, je m'appelle Amir. Et je représente la communauté groupée autour du sommet IGF en Iran. J'aimerais dire que la pandémie du Covid-19 a mis à nu les résultats négatifs des sanctions numériques concernant certains pays. Ces sanctions s'est avérées être très nocives, en particulier pendant la pandémie Covid-19. J'espère que cette question clé se trouvera aussi dans le compte-rendu du sommet IGF 2021. Ces sanctions numériques, dans beaucoup de domaines, concernaient les investissements dans les protocoles Internet, des investissements dans des ressources sur Internet, ainsi qu'étaient liés avec le manque d'accès au réseau, ce qui constituait une barrière clé pour atteindre les clés de développement durable. Nous considérons que le manque d'accès à Internet est une violation des droits de l'homme, rend l'accès à l'éducation impossible, rend les affaires impossibles. Certaines de nos universités ont un problème pour accéder les bases de données scientifiques. Et certaines sociétés aussi n'ont pas la possibilité d'être présentes en ligne. Les services des entreprises iraniennes ne sont pas rendues accessibles sur des plateformes comme Apple Store ou Google Play. J'aimerais donc lancer un appel à chercher des solutions à caractère non discriminatoire qui donnent l'accès à la technologie ICT et Internet. Merci de m'avoir permis de m'exprimer ici. Merci beaucoup, merci pour les commentaires. Et Yao va être la dernière personne qui va prendre la parole dans cette tournée. La qualité du son rend la traduction impossible.
subscribe to those services. And sometimes you don't lose your person. They just come out once more. Those are my challenges with the internet. Merci beaucoup, Yao, pour ton intervention. Et c'est la fin de cette tournée. Alors, résumons maintenant les côtés négatifs, les questions de sécurité, de la vie privée, aussi problèmes d'accès et des contenus locaux. J'ai une demande de la part de l'un de nos modérateurs, Muriel. Voudrais-tu dire quelque chose? Je vais y aller en français. Je m'appelle Muriel Abini et je représente le Bénin IGF. Nous avons discuté, mais nous avons oublié qu'Internet n'est qu'un outil avec des entreprises qui fournissent des services et que la plupart de ce que nous remarquons, ce sur quoi nous appuyons aujourd'hui, est du fait de l'utilisation et des comportements des utilisateurs en ligne. Donc, ce serait bien que nous arrivions à faire la part des choses. Ce n'est pas Internet en tant qu'outil qui est responsable de beaucoup de mauvaises choses en ligne, mais de nous, les humains, en tant qu'utilisateurs finaux. Donc, au niveau du FGI Bénin, par exemple, par rapport à cela, nous avons organisé des sessions de sensibilisation et d'information avec d'autres associations de la communauté à l'endroit des utilisateurs finaux, parce que très souvent, les plateformes, les outils, les applications ont des règles, des normes, des outils qui existent pour que les usagers eux-mêmes puissent se protéger en ligne et faire le minimum d'efforts pour faire attention à leur vie privée. Donc, je voulais le mentionner. Merci. Merci beaucoup à vous. Sandra, over to you about the ugly things. Merci beaucoup. Intervention suivante. Olga, merci beaucoup. Merci à tous. C'est incroyable combien ce débat est riche, combien de régions du monde sont représentées ici. Nous avons très peu de temps. Il nous reste 20 minutes. Donc, regardons de près les aspects laids. Et après, nous réussirons, j'espère, de faire une discussion un peu plus ouverte. Je pense que nous n'ayons pas assez de temps, mais on va essayer. On va voir ce qu'on a réussi. Alors, commencer par les aspects laids, mauvais. Je donne la voix à nos rapporteurs et j'aimerais demander à nos rapporteurs de bien vouloir prendre en compte les questions qui ont été abordées dans le chat, parce qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes qui sont apparues. Et ces informations, ces commentaires doivent être pris en compte dans le compte rendu de cette session. Alors, qui veut prendre la parole? On va faire une queue, encore une fois, de tous ceux qui sont intéressés par la prise de parole. Et cette queue, incertainement, sera fermée. Donc, veuillez dire que... Surtout, veuillez ne pas répéter les choses qui ont déjà été dites. Donc, essayez d'apporter du nouveau dans la discussion. Je regarde mon écran. Je regarde la queue qui s'affiche devant moi. Alors, la première sera Olga d'Ukraine, ensuite Razna, Nazar, Rodney, Mohamed, Roberto et Marcel. Olga. Je m'appelle Olga Kirilouk et je suis membre du Forum de l'Europe de l'Est pour les questions de gestion d'Internet. Et je pense que j'aimerais dire qu'il est très difficile de classifier certaines choses et définir uniquement dans l'aspect de si quelque chose est bon ou mauvais. Je pense que nous pouvons avoir des phénomènes qui sont à la limite, ils sont ni noirs ni blancs, mais gris. Donc, je vais donner un exemple d'un tel phénomène. Voyons les applications qui vous permettent de suivre le développement des cas du COVID. Nous avons réalisé un projet l'année passée. C'est un projet qui compromet l'analyse de ce qui se passe dans notre région. En ce qui concerne ce type d'application, généralement, nous sommes concentrés sur les questions concernant 20 pays de notre région. Nous voulions voir de quelle manière les gouvernements répondent à ces nouveaux enjeux, de quelle manière ces applications de
de surveillance sont utilisées? Est-ce qu'elles entravent la vie privée ou la sécurité des données personnelles? Et quelles étaient les conclusions, en fin de compte? Les intentions étaient bonnes en ce qui concerne ce que vos gouvernements voulaient faire, mais ils n'ont pas fait une évaluation d'impact sur les droits de l'homme, ni ils n'ont pas mis en place des mécanismes de monitoring de ce qui se passe et de vérification si ces applications sont en effet efficaces. Par contre, nous voyons que souvent les données n'étaient pas bien protégées, il n'y avait pas de discipline en cette matière. Donc nous avons proposé des recommandations adressées aux organes responsables pour la protection de la santé et aux sociétés qui préparent et qui élaborent ce type d'application pour améliorer la situation dans le futur. Et puis Lazare maintenant. Hello. Oui, bonjour. Merci, Olga. Alors, les aspects truands, qu'est-ce que je pourrais commenter sur ce sujet? L'école a été fermée à cause de la pandémie, et ce qui se passait parfois, hélas, c'est que Internet ne nous aidait pas vraiment. C'est-à-dire que les étudiants n'avaient pas toujours la possibilité de suivre les cours en ligne. Ça, c'est l'aspect négatif, enfin dans le sens où pas où l'Internet est mauvais, où justement on a manqué d'Internet. C'est ça l'aspect un peu moins rose, c'est que tout le monde n'avait pas accès. Et puis il y a les cas de violation de droits à la confidentialité, de droit à la vie privée, les extorsions de données confidentielles. On ne sait parfois pas ce qui est fait avec nos données personnelles, qui y a accès, et ça c'est un problème que la pandémie a mis en exergue, il me semble. Merci Nazar. Ensuite, Rodney. Oui, merci beaucoup. Union des télécoms Caraïbes, Rodney Taylor. Je dois dire que de notre point de vue, on a encore affaire à d'importantes inégalités, notamment pour ce qui est des compétences, des savoir-faire. Dans les pays développés, dans les pays riches, on a plus de compétences que dans les pays en développement. Et c'est pourquoi il est important de faire en sorte que les lacunes, les retards, les gouffres soient comblés. Posons-nous des objectifs ambitieux en la matière et faisons en sorte que des progrès significatifs soient faits en ce sens. J'espère que dans les 5-10 ans à venir, nous serons en mesure de nous approcher de la réalisation des ODD qui recouvrent notamment les aspects numériques. J'espère que le gouffre numérique ne sera pas approfondi, mais au contraire progressivement éliminé, car nous voulons que la technique et les bénéfices qu'elle implique soient disponible pour le plus grand nombre d'usagers. Merci beaucoup, Rodney. On va continuer avec Mohamed. Oui, merci. Je pense que pour ce qui est de ce que je voulais dire, c'est qu'on a affaire à des cas de censure aussi. Des censures ou des tentatives de censure. On voit aussi une tendance des gouvernements à contrôler les citoyens, à les surveiller. Avec des cas de violation des droits de l'homme et des règles fondamentales à cet égard. Il y a des droits de l'homme à respecter en ligne. La surveillance généralisée de citoyens lambda et d'activistes est quelque chose de profondément condamnable. Et malheureusement, ce sont des situations que nous observons. Nous devons faire en sorte que soit respecté partout le droit à la liberté d'expression. Hélas, ça n'est pas toujours le cas, notamment en Afrique du Nord, c'est un problème. C'est un problème notamment en Afrique du Nord. La surveillance généralisée, la censure,
Ça, ce sont des, malheureusement des phénomènes auxquels nous assistons aujourd'hui encore et qui constituent des cas de violation des droits de l'homme. Il faut en parler ouvertement et agir dès lors que c'est possible, de manière à faire évoluer la situation positivement. Alors bien sûr, la protection des données est important, c'est un sujet important aussi, mais je n'irai pas plus loin là-dessus. D'accord. Roberto. Oui, merci beaucoup. Roberto Zambrana ici. Je vais passer à l'espagnol pour cette fois, si vous me le permettez. Pour ce qui est du côté truand, on a vu le bon, on a vu la brute, parlons du truand. Nous avons été longtemps isolés, on est resté à la maison pratiquement pendant 2 ans pour caricaturer, premièrement. Mais en tant que société, nous étions aussi isolés les unes des autres en tant que société. On a essayé de rester en contact, de savoir ce qui se passait ailleurs, et ça n'était pas toujours possible. Ça, c'était le revers de la médaille sur Internet. Et puis, nous n'avons pas été en mesure de communiquer comme nous le faisons maintenant, par exemple. Auparavant, l'année dernière, nous avons essayé d'échanger des expériences. Voilà, la pandémie n'est pas encore complètement terminée, mais on en sort peu à peu. Beaucoup d'idées créatives, innovantes, intéressantes sont apparues de manière à normaliser la vie. Internet était notre principal allié, et ça, c'est l'élément positif. Et comme cela a été dit plusieurs fois, nous n'avons pas tous le même accès à Internet, nous n'avons pas tous accès à Internet tout court, et ça, c'est le problème principal. Maintenant, pour ce qui est du revers de la médaille, des aspects les moins positifs d'Internet, je suis content que nous soyons en mesure d'échanger sur nos expériences, sur la manière dont nous avons pu continuer à vivre lors de cette pandémie, la manière dont Internet nous a aidés à continuer à vivre. Nous devons continuer à échanger nos expériences. Ces derniers jours, nous avons beaucoup dit et répété que les situations n'étaient pas les mêmes en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, en Europe. Et je pense que le fait de pouvoir comparer les expériences, c'est quelque chose de très important. C'est ce que nous devons continuer à faire, me semble-t-il. Merci beaucoup, Roberto. Je suis complètement d'accord. Nous devons continuer à discuter, nous devons continuer à échanger des informations. Marcel, c'est votre tour. Ensuite, il y aura encore une autre personne, puis ce sera la fin de la troisième partie de ce colloque. Oui, merci de me redonner la parole. Rodney Taylor a dit quelque chose d'intéressant sur les pays en développement et je voudrais me référer à cela. La pandémie de COVID-19 a exercé une pression importante sur beaucoup de pays, mais notamment sur les pays en développement. Ce sont des pays dont les ressources sont limitées. Ça ne facilite pas la tâche pour ce qui est d'aider les PME sur place. Et puis la deuxième particularité, c'est qu'on a assez peu de gens qualifiés qui pourraient effectivement, entre autres, tirer pleinement les bénéfices d'Internet. Et ça, c'est un problème brûlant dans les pays en développement, dans les pays moins riches. On a moins de main-d'œuvre qualifiée, donc il est plus difficile de se lancer sur Internet. Ça, c'est un problème de cercle vicieux, en fait. Ça peut effectivement affecter la société localement. Il faut donc accompagner les pays plus démunis de manière à améliorer leur situation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marcel. Et puis finalement, c'est là. Et après, j'ai dit que la queue était Zeina. Et ensuite, ce sera la fin parce qu'on doit s'arrêter là. Zeina, vous serez la dernière. Oui, bonjour. Zeina ici, de l'IGF Liban. Mon intervention concernera d'autres parties de la crise d'autres types de crises qui ont affecté assez durement Internet. Je vais parler arabe, si vous me le permettez.
Tous ceux qui connaissent le Liban savent quel problème représentent les coupures d'énergie, les coupures de courant notamment. En effet, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des... les gens ont même des générateurs à la maison, de manière à pouvoir continuer à fonctionner lorsqu'il y a une panne de courant. Alors vous imaginez ce que ça représente pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels, pour l'industrie. Le carburant est également importé à l'aide de devises étrangères. Le carburant est donc très cher pour le consommateur libanais. D'où, comme vous pouvez le supposer, des conséquences négatives sur le coût et l'accessibilité, l'abordabilité, l'accessibilité de nombreux biens et services vendus sur Internet. Et ce que ça représente, c'est une menace pour la stabilité du réseau Internet aussi. On a parfois, je vous le disais, des pannes de courant. Sans électricité, dois-je le rappeler, il n'y a pas d'Internet. Il y a, en plus, on a des problèmes de monopole et d'oligopole. Ce qui n'a jamais aidé personne dans aucun pays, d'où au Liban des phénomènes tels que la chute de la qualité de l'accès à Internet pour des raisons liées à l'économie. En fait, c'est des problèmes structurels. Ce qui nous manque, c'est nos propres ressources. On manque de ressources propres. Et nous manquons d'outils qui pourraient permettre une meilleure sécurité. Nous manquons parfois aussi de pièces détachées pour ce qui est du matériel informatique, vraiment du matériel de base, ce qui, là aussi, entrave le développement d'un véritable accès inclusif à Internet. Ces infrastructures qui sont les nôtres sont insuffisantes. Il est un autre problème, d'ailleurs, dont nous faisons l'expérience douloureusement au Liban, qui est que nous manquons de main-d'œuvre qualifiée, notamment d'ingénieurs de haut niveau, de gens qui seraient en mesure de travailler en hybride. Parce que c'est aussi ça, c'est aussi des connaissances, des compétences de base qui permettraient à un personnel, même pas technique, mais un personnel classique, de travailler en hybride et pas seulement au bureau, avec les conséquences que vous pouvez imaginer lors de la pandémie de Covid-19. C'est un problème public, c'est un problème dans le secteur public, c'est un problème dans le secteur privé, c'est un problème pour les professionnels, c'est un problème pour les particuliers. Nous avons besoin donc de mener des actions de sensibilisation sur le sujet, car l'accès aux énergies renouvelable pourrait être une solution, notamment à l'énergie solaire. Je pense que c'est la voie que nous pourrions suivre au Liban. Je vous remercie. Merci beaucoup, Zeina. Et merci à tous d'avoir participé activement à cette réunion. Merci aussi à ceux qui nous ont écoutés. Nous n'avons plus que 3 minutes devant nous. Et à nous demander de quelle manière nous pourrions mettre à bien ces 3 minutes qui nous restent. Il y a un programme ici. Ce programme comprend divers éléments, mais nous n'avons que très peu de temps. Et ma suggestion serait... C'est vous qui avez... J'ai pas entendu ta suggestion. Non, quel est le plan maintenant, en fait? Je vous demandais plutôt à vous si vous auriez une suggestion. D'accord, je n'avais pas entendu. Dans ce cas, nous allons passer à la suite du programme est liée à d'autres aspects. En fait, moi, j'aurais aimé qu'on passe à une forme de dialogue, parce que vous savez, nous parlons d'un processus ici. Nous nous réunissons une fois par an, mais d'un IGF à l'autre, d'un sommet à l'autre, il n'y a pas arrêt sur image. Beaucoup de choses se passent fort heureusement en dehors des sommets de l'IGF, et tous les éléments s'articulent les uns aux autres. Je pense que le moment est venu maintenant de donner la parole à nos rapporteurs qui vont pouvoir résumer les conclusions de notre session d'aujourd'hui. Je vous en prie. M'entend-on ? Très bien.
Muriel et moi sommes rapporteurs. Que puis-je dire ? Pour ce qui est des aspects positifs, il y a tout d'abord la numérisation, l'accélération de la transformation, de la transition numérique. Le fait que les agences gouvernementales mettent à disposition plus de services numériques. Pour ce qui est des aspects négatifs, c'est principalement l'isolement, les confinements, le fait que les écoles n'aient pas pu continuer à fonctionner de manière suffisamment efficace. Il a été bien difficile de garder la continuité, voire impossible dans certains cas d'assurer la continuité de l'enseignement. Et pour ce qui est des revers de la médaille, eh bien, il y a notamment les cas de persécution verbale sur Internet. Et les problèmes psychiques qui en résultent avec un nombre de suicides qui a été en augmentation lors des confinements. Pour ce qui est des aspects positifs, il y a les services numériques, le commerce sur Internet, et puis des aspects négatifs aussi qui ont été cités, comme les attaques de pirates informatiques, et puis tout ce que j'ai cité comme cas d'agression en ligne. Bien, je crois que nous arrivons à la fin de cette session, et nous avons même respecté le temps imparti. Anya devrait, je pense, dire quelques mots pour clore cette session. Quant à moi, je voudrais souligner que je vous invite tous, et notamment les rapporteurs, à suivre, regarder ce qui s'est passé sur la messagerie et à prendre en considération lors de la préparation de leur rapport final les commentaires et questions qui ont été inscrits sur la messagerie. Nous voudrions que cette session, particulièrement instructive, riche, devienne à l'avenir la base d'une plateforme commune qui nous servira de source d'inspiration pour nos travaux à venir. Nous avons entendu beaucoup de choses intéressantes, beaucoup d'idées intéressantes. Je remercie encore une fois tous les participants, tous ceux qui ont pris la parole, et n'hésitez pas surtout à inscrire vos adresses e-mail. Nous allons créer une liste de publipostage de manière à vous tenir au courant. Anya, je vous rends la parole pour que vous puissiez conclure les travaux de cette session. Est-ce qu'Anya est là? Oui, mais la salle est grande, vous savez. Venir du premier rang au podium, ça prend du temps. Les distances sont assez importantes. Merci en tout cas beaucoup à tous les participants. Merci Olga. Bravo pour Sandra, pour Olga et pour nos rapporteurs. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont contribué à l'organisation de cette session. Il y aura d'autres défis vous attendent. Le travail n'est pas terminé, bien sûr, comme ça Sandra l'a dit. Cette discussion aura été une véritable source d'inspiration. Je pense que nous allons tirer les conclusions qui nous permettront de travailler encore mieux d'ici et pendant le prochain sommet. Nous nous rencontrerons une nouvelle fois en 2022. Et c'est avec hâte que j'attends ce prochain sommet de l'IGF. Merci. Merci à tous. J'espère que nous rencontrerons en présentiel, en 100% présentiel, lors de la prochaine édition du sommet numérique de l'IGF. Merci beaucoup.